véritable tube de la saison. Lens, cinquième et sans doute l'une des équipes les plus spectaculaires cette saison de Ligue 1, si l'on prend en compte le nombre de buts marqués et encaissés. Et l'un des artificiers, l'un des facteurs X de cette équipe, c'est Florian Sotoca, l'attaquant qui fait partie des joueurs qui frappent le plus au but cette saison en Ligue 1. Et à l'image de Lens, il est l'une des révélations du coup de cette saison. Sa réussite tardive, l'importance de sa famille, Florian Sotoca. Autrement, c'est un entretien signé par vous, John. Oui. Allez, c'est parti. Tu as séduit les supporters, tu as séduit pas mal de monde dans le football. On va d'ailleurs écouter le premier message qui t'est destiné. Oh Florian, tu viens de Narbonne, tu sais qu'à Narbonne là-bas, on joue au rugby. Il paraît que tu étais bon au rugby avec les mains, mais non, t'es pas bon avec les mains, toi t'es meilleur qu'avec les pieds. Et c'est là que t'es en train de le faire exceptionnellement du côté de Lens. Continue comme ça, je voulais te féliciter et te dire bravo, ne lâche pas, à bientôt. C'est touchant parce que c'est un grand monsieur du football français, donc je le remercie beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, tous mes anciens amis, quand j'étais au collège ou au lycée, voilà, ils faisaient du rugby. Et moi, j'ai choisi la voie du football grâce à mon père et qui m'a permis de faire du foot. Voilà, ma passion est venue depuis mon plus jeune âge où j'ai commencé le foot à 6 ans à mon club formateur, le Football Union Narbonne. Et c'est vrai que j'ai vécu de grandes années et c'est là où j'ai tout appris. Justement, le foot, je crois que c'était pas gagné dans ton enfance. On écoute le prochain message, s'il te plaît. Je me souviens que la première fois que je t'ai amené à l'entraînement d'un plateau débutant, on est parti, tu étais tellement content qu'arrivé là-bas, tu as pleuré, tu voulais pas y aller, tu as dit papa, je veux pas y aller. Je t'ai crié un peu dessus parce que je t'ai dit si on s'en va, je te ramènerai plus jamais. Et de là, tu as fait demi-tour, tu es allé t'entraîner avec tes camarades et depuis, c'est que du bonheur, de la joie et beaucoup, beaucoup de fierté. On t'aime, Flo. Aujourd'hui, je reste moi-même parce qu'ils ont toujours été là derrière moi, que ce soit eux ou ma famille ou mes amis proches. Voilà, je suis encore beaucoup en contact avec eux, même si on est un peu plus loin que Narbonne, de là où je suis. Mais c'est vrai que voilà, ça reste de très bons souvenirs dans mon club formateur. Et pourtant, ce rêve de devenir footballeur a été, à un moment donné, a pu être brisé très tôt. Lorsque tu as connu une grave blessure au ligament, tu en es ressorti grâce notamment à cette famille qui t'a soutenu. Et on écoute le prochain message de ton cousin Arnaud. Si j'avais pu être à sa place ce jour-là, j'aurais signé les deux mains. Et puis quelques jours après, c'était difficile, mais voilà, Flo, la machine s'est remise en marche, notamment grâce à la famille, au soutien des amis, et puis évidemment la colocation qui a joué un rôle, on va dire, au quotidien important en termes de rééducation psychologique, avec des magnifiques souvenirs. Je pense au poisson rouge, je pense au chantier, ça rappellera. Et puis je me rappelle de ce Flo qui court partout en rentrant de soirée, alors qu'il a quelques jours de l'opération. C'est vrai que sans eux, ça aurait été un peu plus compliqué parce que c'était vraiment ma première grosse blessure et elle arrivait au moment où j'avais atteint un niveau qui me permettait d'aller voir un peu plus haut. Et c'est vrai que ça a été un coup dur parce que voilà, une blessure, c'est toujours compliqué. Mais le fait d'être avec eux tous les jours au quotidien, ils m'ont toujours poussé pour aller bosser, voilà, pour aller renforcer le genou. Et c'est vrai que voilà, la rééducation c'est bien mieux passé parce que j'étais aussi avec eux et qui me poussaient tous les jours au quotidien. Martigues, Béziers, avant d'être repéré par Montpellier, et là c'est pas forcément ce que tu attendais du côté de Montpellier, un échec on peut le dire, t'as pas forcément eu ta chance. Quelqu'un avait un message à te passer et certainement avec un certain regret. Florian, ben écoute, je te regarde toujours avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection, mais là, beaucoup de curiosité, parce que faire ce que tu fais, notamment dans ce football qui est quand même compliqué, et t'améliorer au fil des années en passant d'un couloir à un axe et de passer d'un joueur meilleur en première division qu'en deuxième division, c'est quand même un cas un petit peu anormal. Donc je te félicite et je t'embrasse très fort. Ben merci Roland. On a parlé
d'échec, mais je dirais pas ça comme ça. Voilà, ça m'a permis de progresser sur le plan humain, sur le plan footballistique. Donc voilà, m'entraîner pendant un an et demi avec de grands joueurs qui étaient à cette époque-là à Montpellier. Donc ça m'a permis de progresser à tout point et j'en garde que des très bons souvenirs, même si j'ai pas eu forcément beaucoup ma chance. À cette époque-là, je sortais du monde amateur, du National 2 et de signer dans un tel club qui était Montpellier à cette époque-là, voilà, c'était que du bon pour moi et voilà, j'en garde que des très bons souvenirs. Les qualités de Flo, je dirais que c'est quelqu'un de très déterminé, de très positif et de très généreux. Ben voilà, merci ma femme, parce que voilà, c'est aussi grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui, parce que voilà, on s'est connus à l'âge de 14 ans et on s'est mis ensemble quand j'étais à Martigues en National 3, donc. Voilà, elle est là depuis toujours et c'est aussi grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. On a construit une famille avec nos deux petits loups, que ce soit Jules ou Théo. Voilà, je pense qu'on a un équilibre parfait à la maison et c'est aussi grâce à elle, parce qu'elle fait beaucoup à la maison et j'en suis très reconnaissant, parce que ben voilà, sans elle, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui. On a vu ta famille être très fière de toi, mais pas que. Florian, gros bisous poulet de Narbonne, félicitations pour ta saison canon avec le RC Lens. Salut mon Flo. Ouais, écoute, on tenait à te féliciter pour ce début de saison qui est tonitruant. On espère que vous allez atteindre vos objectifs. Mais change pas, tu restes le même, t'es un bon mec et tu le resteras. A bientôt Flo. On est heureux et fiers d'avoir un parrain comme toi. Continue comme tu fais et je vais pas te dire allez l'OM, allez Lens, mais je vais te dire allez Flo. Voilà, avec toi. Bienvenue. Bah, c'est des mots très touchants, parce que c'est des amis d'enfance, on va dire, puisque voilà, j'ai tout connu dans ce club, le Football Union Narbonne, et dès que le président Mustapha m'a permis d'être parrain de ce club, et j'ai accepté tout de suite, parce que je dois tout à ce club, voilà, je dois tout aux bénévoles, à tous mes éducateurs, à tous mes entraîneurs que j'ai eus. Parce que j'y suis resté quand même 16 ans dans ce club-là, donc voilà, je connais tout le monde. On va donner le mot de la fin à deux dernières personnes qui tenaient aussi à passer un message. Je suis papa. Ben voilà, ça c'est Jules et Théo, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est eux qui m'apportent de la joie, de la bonne humeur, de l'amour tous les jours au quotidien. Et voilà, c'est ma plus grande fierté d'avoir ces deux petits loups à la maison, parce qu'ils sont vraiment, adorables et je les aime beaucoup et je leur fais un gros bisou. Merci beaucoup Flo. Merci à vous. Merci à vous pour ces petits moments assez sympas. Et voilà, c'est beaucoup d'émotion parce que dans ces vidéos, voilà, il y a beaucoup d'amour, de partage et c'est tout ce que j'aime, parce que je suis beaucoup attaché à mes racines, à ma famille et tout ce qu'on a vu, ça fait partie de moi et ça le restera pour toujours. Florian Sotoka, autrement, bravo John. C'était quoi l'objectif? C'était de nous faire tout chialer? C'est terrible. Non, c'est vrai qu'on a des connaissances en commun. Je viens du même club que lui, on n'est pas de la même génération. Et je sais que c'est quelqu'un de super et j'avais vraiment envie de le montrer par ces gens-là, par tout le monde qui l'entoure. Donc, c'était touchant.